tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour ma pile à colorier pour la fin de l'année, c'est-à-dire fin octobre parce qu'on est déjà mi-octobre, et puis novembre et décembre. Donc j'ai mis quelques livres en priorité, ceux que je veux avancer au maximum. Donc on va y aller tout de suite, on commence maintenant. En tout cas, plein plein de bisous à vous. Alors, en priorité, finir mon agenda 2019. J'en ai fait pas mal dedans. Je ne vais pas me spolier toute seule, mais j'en ai fait pas mal dedans. Vous l'avez déjà vu, donc ça ne me gêne pas. Donc, essayer au maximum de l'avancer, ce qui serait pas mal. Je suis assez contente de moi. J'en ai encore fait deux dedans. Donc, je suis contente de moi. Ça sera pour ma prochaine vidéo. Donc, celui-là à faire, parce que je l'aime beaucoup. Surtout que j'ai l'autre 2020 à faire. Donc, quand il faut y aller, il faut y aller. Ensuite, à continuer impérativement dans les carrés mystères, dans les carrés d'art thérapie, excusez-moi, à continuer les bébés animaux. J'adore celui-là. Je ne sais pas pourquoi, mais j'affectionne particulièrement ce petit livre-là. Donc, à continuer. Alors là, vous voyez, pour moi, il est raté, mais bon, on va essayer de le rattraper. Donc, à continuer l'agenda, le bébé animaux, je ne vais pas y arriver ce soir, sérieux. Donc, à le terminer aussi. Bon, je ne pense pas l'avoir terminé en fin décembre, ce qui m'entraînerait fort vu ma lenteur, mais bon. Maximum, l'avancer correctement quand même. Un petit pneu quand même. On va partir aussi dans celui-là, dans... Alors, on va partir, je vous montrerai un autre carré tout à l'heure, mais dans le wide, les principaux, là, c'est ceux que je veux avancer avant tout. Le coloriage wide 3 d'Emmanuel Collin, j'aimerais bien l'avancer un maximum, j'en ai fait pas mal dedans. Donc, je pense que je peux y arriver quand même, en faire pas mal dedans, en priorité dans le 3. J'en ai fait un dans le 2 également, là, il n'y a pas longtemps, donc j'ai encore le 1, 2 et 3 à me charger correctement. Donc, dans ces trois petits-là, je ne vous montre pas l'autre parce qu'il est rangé. Mais dans ces trois petits-là, il y en a un quatrième qui est sorti. Il est trop beau. Il est sublime. Le prix aussi est sublime, mais bon, il est juste magnifique. Donc, de ces trois-là, je veux un maximum avancer. Ça me plairait bien parce que c'est des livres vraiment magnifiques. Donc, j'aimerais bien avancer quand même un petit peu plus. Donc, voilà pour ces deux-là. Ensuite, pour ce qui est d'avancer mes livres, je vais partir sur les deux Rita Berman. Un troisième va arriver. Bon, je ne l'ai pas commencé, donc je ne commencerai pas le troisième qui arrivera parce que je veux continuer cela. Hein, j'en ai fait déjà quelques-uns dedans, donc j'aimerais bien pouvoir... J'aime beaucoup ces livres. Franchement, les illustrations sont top. Je ne sais pas, c'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup, beaucoup les mettre en couleur. Mais il faut que je me donne le temps. Et le temps m'est limité en ce moment. Donc, j'aimerais bien les continuer. Ces deux petits-là, là. Ça me plairait beaucoup. Oui, j'ai commencé à marquer les pages parce qu'il y en a que je veux faire. Donc, ça me plairait bien de les continuer. Donc, les deux petits Rita Berman, là. Pour le coup, il faut que j'en fasse un maximum dedans parce que c'est des livres qui me plaisent énormément. En fait, j'y vais par deux en ce moment. Donc voilà. Ensuite, pour ce qui est de continuer à avancer, ça sera dans... Ah oui, un tout nouveau que j'avais mis à l'écart il y a très très longtemps, que j'aimerais bien reprendre parce qu'à force de le regarder, il me donne très très envie. C'est Jasmine Beckett. Coloring book, et j'aimerais bien justement le reprendre. Donc je vais le reprendre parce que franchement il y a des portraits juste sublimes, rien que cela, les cas déjà ça m'attire. Donc je crois que je vais y retourner, je pense que je vais y retourner, ça me plairait bien. 2017, vous voyez, ça fait longtemps que je suis pas retourné, il y a bien longtemps, ça se voit, hein. L'évolution quand même, elle est là, hein. Donc vous voyez, ces portraits sont vraiment juste magnifiques, quoi. Donc, j'ai envie de y retourner. Et c'est ce que je vais faire. Regardez, elle est super belle. Donc, voilà.
au moins en faire quelques-uns, même s'il n'est pas terminé. Je peux pas tout finir au mois de décembre, ce n'est pas possible, mais au moins le terminer, enfin en faire quelques-uns, quoi. Ensuite, ça sera Clara Markova. Alors lui, c'est pareil, j'en ai fait quelques-uns dedans, quand même un petit peu. Je dis pas que j'en ai fait beaucoup, mais j'aimerais bien quand même aussi l'avancer un peu quand même. Parce que franchement, il y a des trucs extra. Et j'y vais pas beaucoup dedans. Bon, voilà quoi. Il faut que j'y retourne rapidement. Donc, je vais me lancer dedans rapidement. Parce que c'est un livre magnifique. Ah oui, mes champignons, mes champipis, mes champignons. Donc voilà, à continuer celui-ci, j'en ai fait quand même pas mal dedans. J'aimerais bien le retourner, étant donné que j'ai eu le dernier de Clara Markova qui va forcément dans ma pile. Donc ensuite, j'ai mis le Flora. Alors le Flora, j'aime beaucoup aussi ce livre. Maria Troll me plaît énormément. Donc, j'aimerais bien aller dedans parce qu'elles sont toutes mignonnes, toutes mignonnes. Puis, il y a des champipis et des champignons. Faut pas que je me spoil toute seule. Donc, j'aimerais bien l'avancer. Je suis actuellement en train d'en faire un dedans. J'espère que vous avez rien vu. Donc, voilà, je vais m'y hâter rapidement. Ouais, j'ai déjà marqué mes pages. Celui-là, je me botte bien. Celui-là, il me botte bien également. Donc je vais y aller rapidement aussi. Maria Troll. J'aime beaucoup Maria Troll. On continue avec Maria Troll. Knitfall. Donc celui-là, c'est pareil. On va avancer un maximum. Je tombe toujours sur des colos qui me plaisent. Ouais. Donc c'est pareil. Avancer. Parce que j'en ai pas fait énormément, je trouve, dans celui-ci. Donc. J'aime beaucoup ce livre, énormément. J'avais fait ce petit-là. Je ne sais pas si vous avez vu pour la colo classe que j'avais fait et qui sont trop mignons. À continuer parce que j'aime beaucoup ce livre. Vous voyez, je marque mes pages. Là, j'avais commencé, je m'étais grave loupé. Il faut que je les rattrape. Je ne sais pas comment, mais je vais les rattraper. Un très très beau livre à reprendre également. De Maria Troll, vous voyez, je fais tout par deux. Ensuite, on va venir avec encore un Clara Markova, mais là, il n'a pas du tout été pris, pas commencé, rien du tout. En fait, j'ai tellement peur de l'abîmer que j'ose pas aller dedans. Et mais quand on le regarde, ça change. On a envie d'aller dedans. Donc, je ne vais pas vous montrer le livre, ça sert à rien, vous le connaissez déjà, il passe partout. Mais j'ai trop envie. Oh, ouais, j'ai trop envie. Il est sublime. Donc celui-là, dans ma pile à colorier, obligatoire. On n'a pas le choix. Donc ça me fait quand même pas mal de livres à aller dedans. Et un petit encore, je vous disais, un carré d'art thérapie sous l'océan. Donc, il y a des petits colos sympas le soir rapide quand on est fatigué ou autre, on n'a pas envie de se prendre la tête. Un petit art carré d'art thérapie, allez hop, tranquille, et puis voilà. Ça, c'est pour le non prise de tête. Ensuite, des petits portraits quand même, parce que j'aime beaucoup ce livre également. Donc, je prends des livres également que ça fait un moment que je n'ai pas été dedans et que j'ai envie d'y retourner. Donc du coup, des petits portraits simples, du grayscale, sympa à faire. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête, on vous met les ombres, donc ombre et lumière, ça va aller tout seul. Donc voilà, celui-là, pareil, dans ma pile à colorier. Ensuite, on arrive fin octobre, forcément, j'ai sélectionné Molly Harrison et Nikki Burnett, je cherchais. Mystical Automne, Grayscale, donc forcément celui-ci, je vais aller dedans parce que là, c'est très approprié. Halloween arrive, donc je vais me plonger dedans. J'adore celui-là. Une petite citrouille, donc c'est le moment de tomber dedans. Et c'est un très très beau livre. Et donc je reprends un peu les livres que je vous avais fait une vidéo justement où je délaissais un peu les livres.
Donc voilà, je vais retourner un peu dedans. Et puis, bah, je préfère pas prononcer, je vais pas y arriver. Donc c'est Nikki Burnett. Du Grayscale également, j'en avais fait aussi quelques-uns dedans, celui-ci. Donc j'aimerais bien y retourner. Je sais, bah si, j'en ai fait quelques-uns, voyez. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai pas été dedans, dans celui-ci. Donc ces deux-là à faire parce que là c'est approprié. Et celui-là à refaire parce que ça fait longtemps. Ensuite, j'ai sélectionné celui, ce livre-là. C'est un cadeau de ma chérie qui me l'a offert. Il coûte la peau du cul, mais elle me l'a offert. Merci à toi. Si tu passes par là, je t'envoie plein de bisous. Je t'aime fort, 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 fort. Donc voilà, un livre sublime. Donc obligé grâce à elle de le mettre en couleur. Parce que voilà, je veux lui faire honneur, cet honneur. Je finis mes colos, mais forcément, j'en ferai un dedans. C'est obligatoire. Ils sont juste parfaits. Je ne sais pas si vous voyez très bien ce qu'ils sont sous plastique. Pour ne pas les abîmer, regardez-moi cette chevelure. Donc voilà, celui-là c'est pareil, il est dans ma pile, je ne pouvais pas ne pas le mettre, c'est pas possible. Grâce à toi, ma chérie. Voilà. Donc, et on va finir avec des mystères. Attention, mystère. Donc ça sera un petit carré mystère grand classique à faire parce que c'est celui-là que j'ai fait le plus de colos dedans. J'ai dû en faire 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ouais, une dizaine quoi. Donc celui-là, j'aimerais bien aussi l'avancer au maximum. Le soir, tranquille, en se détendant, tranquille. Le tome 4 que je fais particulièrement en ce moment, j'en ai fait aussi pas mal dedans. Je vous avais montré celui-ci, donc j'aimerais bien aussi l'avancer. Quand même un peu. Étant donné demain j'ai une amie qui vient, je vais me lâcher avec elle. Elle va me donner envie vu qu'elle en fait avec. Donc voilà, j'en ai fait quand même pas mal dedans. Et voyez, j'ai un encours ici. Et puis dans les chats et félins, pareil à faire. J'en ai fait aussi quelques-uns dedans. Je sais pas si vous voyez. Et puis franchement, ils sont pas compliqués à faire. Pas besoin de se prendre la tête. Voilà. Je vous montre vite fait. Un autre là. J'en ai fait un petit chat avec sa peau de banane. Voilà. Ça, c'est plein de couleurs. Hein. Ça se voit. Celui-ci, vous voyez quand même, j'en ai fait quand même pas mal. Donc, à continuer, ça serait bien que ça se continue encore. Parce que il faut que ça avance un maximum. Et puis, une dernière chose. J'avais oublié, en classique, tout ce qui est dans ce livre. Il y a pas mal de livres à l'intérieur. Le Zodiac Sin Lady. Donc, il y a celui-là que j'aimerais bien en faire dedans aussi. Il y a Loveliness de Grazia Salvo, je vais arriver à le dire, que j'aimerais bien aussi dans ma pile faire. Et puis, en fait, je veux tous les faire, c'est ça le problème. Non, pas celui-là. Celui-là aussi. Et j'ai pu, il me plairait bien énormément à le faire. Et puis, et ben c'est celui-ci, ça doit être le premier ou je sais plus, quand je regarde, c'est le premier. Donc il y a le premier à faire et celui-ci que je vous ai montré. Les portraits sont juste sublimes, c'est le 2. Donc j'aimerais bien me mettre dedans aussi également. Donc ça fait pas mal de livres à faire. Donc du coup, voilà. Donc voilà, ma petite vidéo se termine. J'espère que vous avez fait le petit tour avec moi, que cela vous a plu. Moi, je vous envoie plein de bisous. Souhaitez-moi bon courage pour tout ce que j'ai à faire jusqu'à la fin de l'année. Parce que je ne referai pas de vidéo sur ma pile à colorer. Ça ne sert à rien. Étant donné tout ce que j'ai à faire, ça va être un grand plaisir de les mettre en couleur. Moi, je vous envoie plein de bisous. Surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.